Charles Caddy, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le site castingsurf.com. Je vais commencer par cette question. Nos comédiens sont jeunes, pour un bon nombre débutants. Auriez-vous un conseil à leur donner ? Déjà, le tout premier conseil, je dirais qu'il faut vraiment être animé d'une très très grande passion pour faire ce métier. Parce que je crois que le premier moteur, c'est la passion. Parce que c'est un métier de rêve, bien évidemment, quand on peut le faire. Comment dire, quand on a ça en nous et qu'on sait qu'on est fait pour être acteur, c'est quelque chose, bon, je veux dire, voilà, qui ne s'explique pas facilement avec des mots, mais c'est quelque chose qu'on ressent très fort à l'intérieur. Donc je dirais avant tout, c'est la passion. Pourquoi ? Je vais essayer d'être brève. C'est que c'est un métier difficile et que chaque jeune comédien apprenti, enfin, souvent on commence quoi ? On commence par les cours d'art dramatique. On va se rendre compte que tout se passe par étapes et par étapes différentes. Et je dirais que il faut aussi savoir, au départ, faut s'armer de patience. Je parlerai de patience aussi, parce que c'est un métier où tout tombe pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça peut paraître des fois très dur, très rude. On peut avoir des grands moments des fortes déceptions, des grands moments de doute, des moments où on se dit c'est trop dur ou quoi. Et en fait, souvent ce que je dis, c'est que si vraiment on a cette passion au fond des tripes comme ça et tout, c'est ce qui permet de durer et de dépasser toutes les épreuves et les difficultés de ce métier. Parce que pour un jeune comédien, c'est pas facile et c'est pas évident. Il y a une part il y a le travail, il y a le talent que chacun a en lui. Mais je pense aussi qu'il y a une grande part, et ça c'est quelque chose de très abstrait, une grande part de chance aussi dans ce métier. Je dirais la chance des rencontres, d'être là au bon moment, de correspondre physiquement à un emploi du moment, d'être dans ce qu'on appelle la mode du moment. C'est plein de paramètres comme ça qui peuvent rendre les choses difficiles, quoi. Parce que c'est vrai quand moi, enfin, je peux parler que de moi, puisque bon, c'est ma propre expérience. Quand j'ai démarré, je vivais à Lyon, je suis montée à Paris et je me suis inscrite au cours Simon parce qu'à l'époque c'était le cours d'art dramatique était le plus connu. Et c'est vrai qu'au tout début c'était pas évident parce qu'on débarque là, on connaît rien à ce métier. Il y avait plus de 500 élèves et que c'est là où tout d'un coup vous savez vraiment s'il y a une petite voix intérieure qui vous dit que c'est vous sentez que vous êtes actrice au fond de vous et que c'est votre moyen d'expression et que il peut pas y en avoir d'autres quoi dans la vie, que c'est quelque chose, c'est moi je parle vraiment de vocation quoi à ce niveau-là. Et donc forcément de passion. Et enfin voilà, juste pour terminer, et donc il faut savoir ce que je donnerais comme conseil aux jeunes acteurs élèves des cours d'art dramatique, c'est beaucoup de travail, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais aussi tout ce qui peut paraître, toutes les difficultés qui peuvent apparaître comme ça dans un premier temps, il faut savoir dès le départ que ça fait partie du métier, parce que même quand on arrive comme moi, par exemple, je commence à avoir pas mal d'expérience et d'années de métier derrière moi. Je crois surtout ce qui compte, c'est de durer dans le temps, de faire une carrière, de s'épanouir dans son métier d'acteur. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'années. Et il faut savoir qu'il y a des moments où on sera dans la lumière complètement et en haut de l'affiche. Et puis il y aura des moments, faut l'accepter aussi, où on peut être plus dans l'ombre et avoir des longs moments de creux où il se passe rien. Et la force, c'est à ce moment-là qu'il faut l'avoir. Il faut savoir durer pour faire une carrière. Et je crois que c'est plus important. Je dis ça aussi, voilà, ça sera la dernière chose que je vous dirais. C'est que je crois aussi, il faut pas confondre aussi aujourd'hui le côté des médias et des paillettes et du people avec le vrai métier d'acteur. C'est pour ça que je parle de choses qu'on doit ressentir dans les tripes, parce que je crois que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui voient à la télé, dans les magazines, que à l'époque on va aller faire un casting à la télé ou telle émission, je pense en l'occurrence comme ça des émissions de télé, et où tout d'un coup ils se disent ah voilà moi je veux faire ça. Et j'ai l'impression que souvent ces jeunes-là sont plus portés par l'idée, ils ont envie d'être vedettes, d'être une célébrité, d'être dans les magazines, de devenir people quoi, ce qu'on appelle people. Et souvent j'ai l'impression que
qu'il y a une grande partie où ils sont pas forcément animés de ce besoin de jouer, d'acter, quoi, réellement. Et donc, je mettrai les jeunes en garde par rapport à ça, parce que c'est un métier très difficile, en fait, et il n'y a pas beaucoup d'élus. C'est vrai que quand on se lance dans cette aventure, il faut savoir qu'en fait, on met la barre très très haut, parce que on est très nombreux à vouloir faire ça, et il n'y a pas beaucoup quand même de gens à l'arrivée. Donc, il faut vraiment que ce soit des vraies raisons. Fondamentale, il faut que ce soit, c'est ce que je dis toujours, qu'on sente que ce soit son seul moyen d'expression possible, quoi.